déjà fait ça. Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao! Là j'ai envie d'aller porter plainte, c'est pas normal, tu mets oh, tu mets en danger les animaux. Salut internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Je tenais avant toute chose à vous remercier pour les 700 000 abonnés, ça y est on a passé le cap. Je suis trop content et c'est grâce à vous, donc en route vers les 800 000 et pourquoi pas les 1 million. Avant que la vidéo commence, sachez qu'il y a quelques semaines je vous ai parlé d'un pronostiqueur qui était exceptionnel, etc. qui s'appelle Soli Prono. Eh ben figurez-vous que ça fait encore 15 jours qu'il a fait un sans faute. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages de remerciement pour me dire merci Kamov de m'avoir parlé de ce pronostiqueur, etc. parce qu'il est vraiment fiable et sûr. Donc là ça fait 15 jours consécutifs qu'il n'a pas fait une seule erreur les gars. Donc pour ceux qui le connaissent pas, je vous en reparle, c'est Soli Prono. Son snap s'affiche juste ici. N'hésitez pas à le rajouter, il y a aussi le lien en description. Si vous voulez arrondir vos fins de mois et vous faire un petit peu d'argent comme je me suis fait un petit peu d'argent, eh ben rajoutez-le, c'est sûr, fiable et précis. Voilà, Soli Prono, le meilleur pronostiqueur que je recommande aujourd'hui. Ciao. Bon les gars, comme vous le savez, il y a des fous sur Terre, il y en a vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, la vidéo que vous allez voir, c'est un truc de malade. Je savais même pas que ça existait. Des gens nous ont contactés sur Instagram en nous disant et en prenant des photos d'un voisin avec une canne à pêche en train de pêcher des chats. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu ça quelque part, moi c'est une première, je croyais même qu'au début on me prenait pour un con. Mais vous verrez dans cette vidéo que ce que je viens de vous dire est réel. Il y a vraiment un mec qui se met en haut de son balcon avec une canne à pêche pour pêcher des chats. Donc on nous a donné l'adresse, le lieu, on y est allé et on a attendu que cette personne se mette à son balcon pour pêcher des chats. Bien entendu quand on l'a vu, on a fait en sorte de le piéger et vous verrez que la fin est tout aussi drôle. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais de gros bisous, à tout de suite. Ciao. Bon les gars, voilà, ça fait un petit moment qu'on attend. On vient de voir le mec sortir. On n'a pas eu le temps de filmer parce que le temps de sortir la caméra, tout ça. On n'a pas bien vu, mais je sais pas si vous le voyez sur l'écran. Il y a un mec avec une canne à pêche, donc c'est pas des conneries. Les voisins, ils avaient raison. Et on voit, si on fait un zoom dessus, on va voir que le mec, il a la canne à pêche dans les mains. En bas, tout en bas de la canne, il a mis un appât, on dirait un bout de viande. Et le mec, en fait, il fait ça parce que apparemment, il s'amuse à chasser des... Bah, pêcher des chats, frérot. Enfin, j'ai jamais vu. Enfin, faut le voir pour le croire, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, putain, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Attends, il a calé la canne à pêche. Il rentre. On va le forcer à descendre. Vas-y, viens. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'hameçon. On va le coincer quelque part. Comme ça. Lui, quand il va vouloir remouliner, bah, ça sera bloqué. Il sera forcé de descendre pour l'enlever. Putain, regarde ça. Tu vois ou pas? Mais est-ce que c'est un bout de saucisse, frérot? C'est des knackis. Ah ouais, c'est genre de knackis, tu vois. Attends, on va l'enlever, tu vas voir. Bouge pas. On va l'enlever et l'hameçon, on va l'accrocher au grillage, là. Comme ça, quand il va tirer, frérot, quand il va tirer, ben, il pourra plus faire vite avant qu'il revienne. Voilà, vas-y, viens, on se taille. Bon, les gars, là, on attend plus qu'il ressorte. Et à un moment donné, il va s'en rendre compte. Hein. Il ressort. Viens voir. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est bloqué. C'est bloqué, frère. Il va descendre. Il va être obligé de descendre. Je crois qu'il descend. Il descend. Ok, vas-y, viens, on se planque ailleurs. Et on attend qu'il descende. On va choper, il descend. Vas-y, mec, il revient. C'est lui. C'est sûr. Écoute, ce que tu vas faire, lui il va aller à l'hameçon là. Toi tu restes là et je vais aller le voir. Bonjour. Vous voulez un coup de main? Excusez-moi, parce que j'habite là en fait. Ah bon? Je faisais jamais le coup. J'ai aménagé la semaine dernière. Ah bon? Ouais. Mais vous faites quoi? Voilà. Non, rien, je m'entraînais à faire des feuilles pour cet été. Quoi?
pars entraîner à pêcher cet été. Donc je... T'entraînes à pêcher pour cet été? Ouais. Du coup, j'attrape les feuilles. Avec quoi? Avec des vrais hameçons? Oui, pour les feuilles. Pour les feuilles? Ouais, pour les hameçons. Ouais, j'essaie de m'entraîner. T'es en train de prendre pour un con ou quoi? Non. Tu pêches quoi? Je comprends pas, frérot. Sur ma vie, je comprends pas. J'habite là, tu accroché. Moi, ce que je vois, c'est. J'habite là? Non, attends. J'habite là. J'ai accroché à mon village. Mais c'est les voisins qui nous ont dit, frère, que tu es là avec une canne à pêche, tu pêches des chats. Des chats? Ouais, des chats. À 4h du matin, je me lève, j'applique. Lève ta main, s'il te plaît. Je te... Okay. Lève ta main. 4h du matin, il y a des chats, ils sont pas miaulés. Miaou, 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 miaou. C'est bon, moi je... Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Je descends, ils s'en vont, ils reviennent, même pas un quart d'heure après. On sait. Donc là, je suis en train de me dire, tu pêches des chats. C'est pour les faire peur. C'est pour les faire peur. Frérot, il y a des enfants qui passent. J'en ai eu deux. Ils sont plus revenus, je les ai plus revus. Mais ça revient, c'est comme les rats, ça revient. Non, mais là, c'est pas normal ce que tu fais, frère. S'il y a les chats, ça veut dire que tu blesses des chats? Tu les blesses volontairement? Non, mais je les tue pas. Mais tu sais comment ça s'appelle? C'est de la cruauté, ça, animalière. Tu le sais? Tu sais que c'est interdit, ça? D'accord. Oh, les voisins, ils nous ont dit, c'est les voisins aussi qui sont plaints. Il dit, ouais, il y a un mec sur son balcon chelou avec une canne à pêche. Il y avait un bout de saucisse là. Oui. Tu mets la saucisse pour appâter les chats. Oui. Pour que les chats. Ils mangent et toi, après, tu fais quoi? Tu tires? Non. Il se bat, et hop, il se bloque, il s'en va. Là, il s'en va. Il y en a pas un qui est resté tanké. Allez, c'est bon, laisse ça. Comme ça. Allez, laisse... Non, après, l'hameçon, il va pendre, il y a des gens qui vont se le prendre. Tu le laisses comme ça, tu viens. On va discuter ailleurs. Voilà. Allez. Viens, Fanté. Moi, ça va, Fanté. Viens, ça va, Fanté. Écoute. T'as vu, il y a des gens. Oui. Écoute-moi bien. J'ai un caméraman avec moi, c'est pour filmer ce que tu fais. Pour avoir. J'ai envie d'aller au commissariat, moi. Là, j'ai envie d'aller porter plainte. C'est pas normal. Tu mets en danger les animaux. Oui, il y a une caméra. Donc là, on va arrêter de faire chauffer parce qu'il y a des gens qui commencent à écouter. Oui. On va aller plus loin parce que j'ai pas envie de te faire remarquer. Oui. On va discuter plus loin. Oui, d'accord. Okay. Mais moi, j'ai envie d'aller au commissariat, là. Okay. Non, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de nom, s'il te plaît. D'accord? Déjà, je fais plaisir, je vais un peu plus loin parce que sinon je te fais remarquer, moi je m'en bats les couilles. Non, voilà. Donc on va plus loin, tu laisses ça commencer et on va voir. Bon, les amis, on a parlé longuement avec le mec qui faisait du mal au chat. Et on a trouvé un petit arrangement, on s'est dit, bon, on va lui acheter un petit costume, tu vois. Taille unique. Viens. N'aie pas honte, mais. N'aie pas honte, frérot. Voilà. J'ai l'air d'un quoi, là? Écoute. C'est ridicule. Je suppose que t'as pas envie de déménager ni qu'on appelle les flics. Non. Moi, tu sais ce que j'ai envie? J'aimerais que tu te comportes comme un chat. Hein? Mais vraiment, eh oui. J'aimerais bien qu'il se comporte. C'est déjà ta sentence? Oui. J'aimerais que tu te mettes à la place des chats que tu fais à qui tu fais du mal. Non, mais quand je te dis c'est quoi ta sentence, je pensais pas à un truc comme ça. Pourquoi tu me déguises en un chat? Tu t'es déguisé après c'est fini? Non, je pensais de base que c'est... Un arrangement financier ou... Non, y a pas d'arrangement financier là. Donc écoute, c'est la honte. On va faire un deal. Je veux absolument oublier que tu es un être humain. Je veux absolument que tu me fasses croire que tu es un chat. Si j'y crois. Si j'y crois à ça, je te promets que je te laisse. On verra pas mon visage. Non, mais non. T'es prête? Prêt, non. Prête, c'est une. Mais non, non. Il faut que tu gambades dans Pinhead maintenant. Attends quoi? Il faut que tu gambades dans Pinhead. Pinhead c'est ici, gambader c'est courir, il faut que tu cours dans Pinhead. Vas-y gambade. Ben là pour l'instant oui je sais ça se voit que t'es pas un chat. Gambade dans Pinhead, gambade. Gambade dans Pinhead. Gambade dans Pinhead. Voilà, gambade. Oh un bon chat. Oh là ça c'est un bon chat. Je suis le chat. Le chat des forêts, je suis le chat. Non, je suis le chat des forêts. Je suis le chat. Le chat des forêts, je suis le chat. Non, je suis le chat des forêts. Je suis le chat. Le chat des forêts, je suis le chat. Non, je suis le chat des forêts. Je suis le chat. Et je gambade dans Pinhead.
Sage, bien sage. T'es bien. Bien sage le chat. Bien sage le chat. Miaou. 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 Oh, qu'est-ce que tu fais, chat de merde? Miaou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est à qui ça? C'est à qui? C'est à qui? Bon les amis, on va vous laisser sur cette note de clip. J'espère que la musique vous a plu. C'est moi qui l'ai composé et en plus de ça, on a fait un beau petit clip avec notre ami qui cherche toujours le bâton d'ailleurs. Voilà, rendez-vous mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo à 18h sur notre chaîne YouTube. Et soyez contre la maltraitance animale. Et si vous êtes témoin de choses comme ça, appelez la SPA et faites agir les choses rapidement. C'était Kamov, à bientôt. Ciao. Je suis le chat des forêts, je suis le chat, non je suis le chat des forêts, je suis le chat des forêts, je suis le chat, non je suis le chat des forêts, je suis